gonna tame your dress so fine. Fill the bone to damn in your prime. J'aime bien dire ça quand je suis à Niçois. Qui a fait de la musique pendant très longtemps à Nice, dans les bars, avec des potes. Qui a joué des reprises dans les bars pour gagner un peu d'argent, tous les soirs, pendant des années. Et donc du coup, je me suis retrouvé rapidement à jouer dans des groupes qui me faisaient jouer les Stones, les Beatles, les Zeb, tout ça. Et vite, je me suis barré de Nice, pas parce que j'aimais pas Nice, mais parce que il y avait quand même pas mal de choses à voir ailleurs. Et je suis allé m'installer à Londres pendant quelques années. Quand Dave Stewart, le mec de Rhythmix, m'a proposé de faire un premier disque, on a connu cette petite histoire-là. Et puis, que ce disque est sorti, tout ça, on tourne énormément avec mon groupe, donc avec cette bande de potes. Je sais pas si t'as vu un peu qui ils sont. Daniel, Olivier, Francky, Gary. Et on est en train de, notamment, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais on est en train de finaliser deux EP en même temps, en fait, qu'on va sortir en juin. Par mon label, j'ai un label Stereoblast. On sort ces deux EP qui s'appellent At Last, donc At Last Face A, qui sera 5 titres qu'on a enregistrés, enfin 5 de la dizaine de titres qu'on a enregistrés en studio au Living Room à Paris. Et la At Last Face B, c'est en fait le résultat de. Tu sais, on avait enregistré tous ces titres en studio, on tournait en même temps, donc il y a le truc genre habituel qui arrive, c'est genre merde, alors il y a 8 nouvelles chansons qui ont été écrites entre temps. Donc on est allé au studio Pigalle, qui est un super studio, un vieux avec des vieux micros. On a fait une journée, c'était il y a 2 semaines, le lendemain d'un concert qu'on avait fait au Luxembourg. Le mec qui nous enregistrait s'appelle Bruce King, et c'est un super ingé son aussi. Et on a enregistré 5 titres. Des nouveaux titres qu'on a pour un peu genre juste montrer qui on est aujourd'hui, tu vois. Quand tu dis qui est Mehdi, déjà Mehdi c'est rien tout seul sans les potes avec qui jouent, et c'est au niveau sonore, c'est ça quoi. C'est la Atlas passe A et la Atlas passe B qui est live. Je joue sur une plage privée dans les alentours de Nice. Et puis il y a le patron de la plage qui me dit au fait dans 3 jours, c'est le mariage de Dave Stewart. Et il va venir voir le groupe pour voir à la limite si on pouvait jouer pour son mariage. Donc il est passé, il a rien dit. Donc j'arrive à l'arrache et tout, tac, je joue une chanson, il repart avec son bateau, puis nous on continue notre truc. Donc, le patron qui dit bon c'est bon, ils m'ont appelé, vous jouez pour le mariage et tout, ouais, d'accord. Au mariage, j'ai fait 4 chansons et je vous la fais courte parce que mais c'était. Je laisse imaginer les invités, tu vois, ce genre de mariage. Ouais. Genre ça va être Bob Dylan, à Lou Reed, à Mick Jagger. Donc j'ai joué mes quelques chansons. Je me rappelle des Dave Stewart qui passaient avec un par un avec Mick Jagger qui se postait devant. Il n'y avait personne qui nous regardait. Mais par contre lui, il venait comme une espèce de. Alors d'abord il vient avec Mick Jagger, je vois qu'il papote et tout, et moi je suis en train de chanter, je vous. Puis après il se rebarre, il vient avec Elton John. Je filme quoi. On s'est toujours fait comme ça. Puis après il est venu me voir et m'a dit c'était cool hein, merci, tout ça, tu veux faire le bœuf avec nous, ouais d'accord. Et 2-3 jours plus tard il est revenu à la plage. Et j'étais en train de jouer et tout, il y a le patron qui me tape à l'épaule et qui dit il y a des chiens qui voudraient te parler, tout ça. Cool, et genre il me dit 2-3 trucs rapides et il fait genre do you want to make a record? Non. Mais vraiment comme ça hein. T'habites où? À Londres, c'était pas vrai. Il dit bien, mais cool, voilà, mais moi j'habite à 1 heure de Londres, ce serait cool, tu viens dans 2 semaines, pas de problème, j'arrive. Et donc ça, c'est l'histoire des histoires, voilà. Moi ça me fait plaisir de la raconter à chaque fois. Ouais. Hey, hey, now once upon a time you dress so fine, to the bones of damn in your prime.